Et salut tout le monde, ici Aderwen, on se retrouve comme chaque dimanche hein, pour du Skyrim. Et je suis comme à chaque fois en compagnie de Yoniel. Bonsoir Yoniel. Salut Adé. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, on commence un petit peu plus tôt, mais bon, déjà là, donc autant y aller. Ok, continuez. Alors j'ai fait quelques petites modifications, hein, comme j'avais dit, j'ai refait des stuff un petit peu, que ce soit plus propre, plus mieux, quoi. Ça a mérité un peu d'amélioration. Mon stuff commençait à être vieillot. Donc j'ai augmenté un peu la forge, donc je suis arrivé jusqu'à l'ébonite. Faut pouvoir avoir ton nouveau look, là. Ouais, donc du coup j'ai débloqué des armures avec le mod. J'ai pu faire une armure en ébonite, pas la d'origine, mais une autre armure. Et j'ai refait aussi un stuff à Lydia. J'ai fait le stuff que j'avais vu, que je trouvais super sympa, le truc impérial héroïque. Donc là, voilà, la Lydia équipée avec sa nouvelle armure. Tout sympa. Il garde là. Casse-toi, mais oh là. Comme si j'étais un voleur, moi je suis pas comme ça. Avec un petit bouclier en ébonite. Très impérial. Très impérial, mais super sympa quoi. Le casque choque un petit peu, enfin. Ça va. Bon, de toute façon, les bottes et puis les gants, c'est clairement le même skin que l'impérial. Hein. Mais j'adore le torse, c'est juste énorme. Et puis du coup, je lui ai refilé ma cape. Qui va super bien avec. Alors là, vous avez toujours pas vu moi comment je suis équipé. Allez, on recule. C'est un peu sombre, on voit pas mon armure. Bon, là, on voit pas bien mon armure là, c'est dommage. C'est très noir. Noir et rouge. Alors, je vais vous le montrer dans les objets, ça va être plus visible. Alors c'est Crimson Spellbinder. Donc là on la voit mieux quand même comme ça, les bottes et le casque. Franchement quand je l'ai vu, j'ai dit direct, il me la faut. Donc elle est plutôt sympathique. Ça me rappelle quelque chose d'un autre jeu, je sais plus, d'un anime, mais... ça me dit quelque chose. Rien perso, mais... Et du coup, je me suis changé aussi mes armes, des petites masses en ébonite. Donc en fait, j'en ai volé une, hein, tout simplement, que je me baladais pour faire deux trois conneries. Et je trouvais une masse en ébonite que j'ai volée. Puis j'ai vu les dégâts de base, mais ils sont insane, c'est plus que ce que j'avais avant. Et du coup, je l'ai amélioré, et puis du coup, je suis à 132 de dégâts. Donc bon, il y en a une qui remplit les gemmes et l'autre, j'ai mis des dégâts de feu. Voilà, je me dis, oh, on va changer, mais des dégâts de feu. Donc, voilà, avec deux masses. Ouh, par contre. Ma barre d'endurance, elle est descendue, mais à une vitesse d'un seul coup, quand j'ai mis quelques coups là, dans le vide. Ah, là on la voit mieux éclairée, hop, ça s'assombrit. On la voit mieux sur moi, l'armure. Plutôt sympa. On voit vraiment que son visage, hein, par contre. Hein, ah, on voit pas le visage hein, du tout, hein. Là c'est un masque intégral, hein, avec la capuche et tout. Alors, bon, du coup ce soir, on va faire les quêtes principales, on va retourner sur la quête principale. J'aime bien le contraste en fait entre le stuff de Lydia et le mien, c'est un peu ténébreux pour moi. Je suis plus assassin alors que elle, je vais dans l'armure. Voilà. Alors donc on va reprendre la quête principale. Donc la quête principale c'était donc on devait la corne de Jürgen par le vent. Après avoir prouvé la capacité à prendre les mots de puissance et à utiliser le cri. Donc le Grisbarbe m'a proposé une dernière épreuve, retrouver la corne de Jürgen par le vent dans sa tombe de Strangrave, au vieux tertre des marais de Jalmarsh. Donc je l'avais déjà vu à cet endroit, mais j'étais pas rentré. Donc je peux directement me TP dessus. Et puis bah, on va attaquer par là hein, directement.
fait du bien de faire un petit peu la quête principale aussi, histoire d'avancer dans l'histoire. Ça change. Bon, on a pris. J'avais laissé de côté pendant un moment. Donc... Ouais. On a fait la guilde des voleurs, pas mal, quasiment terminée. Bon, sans les quêtes annexes pour redorer le blason, mais. Voilà. Direct, j'arrive, je me fais agresser. Allez, hop. Lui, il a cramé. C'est un petit peu insane, hein, les dégâts que je fais. Robe de nécro, s'en fiche. Ah, un livre de sorts soins. Depuis le temps que je cherche un petit peu, peut-être d'avoir des soins de meilleure qualité. Tas de cendres. Je regarde vite fait, hein, si jamais je récupère une autre, une arme pour Lydia, parce que Lydia, je lui ai laissé mon arme. Bon, il n'y a rien, on s'en fiche. Hop, chemin spirituel. Un bandit qui est mort ici. Allez, on rentre dans le théâtre. Et on va aller chercher la corne ou la griffe, je sais plus. La corne de Jürgen. D'accord. Des bandits morts déjà qui traînent là. Allez, je cherche pas à savoir. Je tue tout le monde. La 24e, Lydia l'a tué. Bon, si Lydia l'a tué. On s'en fiche. Toujours à la recherche de potions de soins quand même un maximum. Voilà, par où? C'est par où la suite là? C'est fermé. Ah, il y a un passage. Encore un cadavre. Oh là, j'ai entendu un cri. Encore un autre qui fait un cri là-bas. Ça se bastonne dans le coin quand même. Clairement. Le Picot, il est quand même une nouvelle armée. Hein. Bon, je prends quand même des dégâts avec ma nouvelle armure, mais c'est quand même. Beaucoup moins. C'est mieux que bon, oui. Alors, hop, à soigner. Hop, et on se rééquipe de nos armes. Mâche de feu. On s'en fiche. Je ramasse plus trop hein, parce que niveau des golds je suis quand même doit me rester 25 000 et t'as de la marge vu leur utilité. Bon, par contre mes armes c'est un peu abusé.
Je suppose qu'il faut que je monte. Ah, potion de soin. Potion de soin. Petit coffre, tac, tac. Potion de soin. On ramasse tout ça. Yes, c'est par là. Oh, une bourse. Tréfonds. Nous entrons dans les tréfonds. Alors, par là, je peux passer. On va faire le tour. Tac tac tac, là il n'y a rien, on va descendre. Ah, je crois que j'ai activé un piège de feu. Lydia aussi l'a activé, bien sûr. Lydia, de toute façon, elle active tous les pièges. Regardez quand même dans les urnes, parce que les urnes en général, il y a des potions aussi dedans. J'ai entendu un drôle, il est là. On remonte. On fait que de se balader. Hein. Ah, y a rien. Alors là, on voit direct qu'au sol, il y a des trucs inflammables. Ok, donc il y a une poignée, ça ouvre là, mais l'autre elle s'ouvre où? Allez toi, hop, tu restes dans ton truc. Ok, l'autre poignée était juste là, je suppose. Et voilà. Alors, une gemme spirituelle. Je sais pas ce que c'est que cette potion. Potion de soin. Un coffre. Gemme, hop, c'est nickel. Allez. Le chemin, c'est par là. Ah, par où? En haut, ça? Non, c'est juste. Y a rien. Par une potion de vulnérabilité au feu. C'est grand, la vache. Sacrée grotte. Allez, squelette. Oh. Ah. Bon, on avance. Ça passe, c'est pas comme si... Grenat, grenat parfait, une gemme spirituelle.
là-bas il y a un coffre, une gemme. Ah, squelette là-bas. J'étais trop vite. Ouais, on va focus, on va avancer dans l'histoire. Donc je descends. Je suppose que c'est tout en bas que ça se passe. J'ai les chances. Ah, un cri. Alors, c'est quoi le cri? Est-ce que c'est un cri utile? Mode puissance prix, décliné, corps éthéré. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il fait celui-là. Je suppose que ça doit être une sorte. Plus du tout. Une sorte d'armure. Alors, il y a un coffre ici, il y a des potions. Potions de soins, mon crochetage, c'était pas la peine que je m'encombre. 47 gold, ok. Je sens qu'on va faire appel au sort de clairvoyance pour trouver par où il faut aller. D'argent, je vais pas m'embêter à miner. Oh, tiens, cadavre ici, tu sais pas ce qu'il fait là. Ah, derrière l'eau. Allez, boum, le drogue. Carton de se coucher. Souvent ça c'est le truc hein, dans Skyrim, derrière les cascades, les coffres cachés. Dans beaucoup de jeux, mais ouais, dans c'est beaucoup, un classique derrière les cascades. Ouais. Bon, je suppose qu'en fait juste en bas il y avait juste le cri récupéré. Où est la suite? On va remonter un petit peu. Ça j'ai fait, c'est là que je sautais au-dessus. Bon, faisons appel au sort, c'est quoi déjà? Ouais, je l'ai pas en raccourci. Pourquoi? Le sort clairvoyance. Alors, on va le mettre en favori. Non, je sais pas. Tourner en arrière. Bon, en fait, je suis descendu, c'était juste pour le cri, en fait, du coup. Ah, il y a un squelette là-haut. Ok. Non, 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 descends, c'est en fond. Descends, c'est en bas. Faut que tu passes à travers les grilles, je crois. Ah, ok, d'accord. Bon, il y a une potion de soin là. Hop. C'est pas assez logique que ce soit à la grille. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça, avec les... Alors que tu démontres ton talent pour le créer un pixel. Ouais, c'est ça. Alors, impulsion... Boom.
Ah non, sérieux, je le fais dans le mur. Dommage. Sinon, c'était bon. C'est bon, je suis passé. Quel talent. Et ouais. Alors, du coup, je vais me rééquiper du souffle ardent et de mes masses, les deux. Elle est conne, Lydia, pourquoi elle va dans le pied, dans le feu? Bonne question. Allez, Lydia, arrête de crever là. Mon Dieu. Voilà les trucs qui sortent là. Non, c'est pas un piège. Par contre, là, j'ai vu. Non, c'est bon, lui, il est mort. Pour de bon. Échec. Pourquoi c'est un échec? J'ai rien fait. Ok, note mystérieuse. Enfin, retrouver celui et celle qui s'emparait de la corne. Allez, pousse-toi l'écriture que je puisse lire. Enfant de dragon, je dois vous parler, c'est très urgent. Louez la chambre mansardée de l'auberge du géant endormi de Rivebois. Je vous retrouverai un ami. Ok, bon. Je crois que je me suis fait doubler. Les gens. Oh, il y a plein de pièces. À moi toutes les pièces d'or. Le 55 coffre. pièces d'or. Oh, un arc d'ébonite. Bon, je le prends. Casque impérial, je laisse. Collier de furtivité. Chaîne spirituelle, 275 gold. Urne, elle était vide. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Celle-là n'est pas vide. Bon, les urnes, je les fais, hein, comme j'ai dit. Il y a des potions souvent dedans. N'y a pas grand monde ce soir. Enfin, pas grand monde qui discute sur le chat. Pas avoir du monde tous les soirs. Ouais. Les gens sont fatigués. Mais bonsoir quand même à tous ceux qui seront là. Hein. Allez, on va continuer, on va ressortir du coup. En fait, je me rends compte qu'on n'avait vraiment pas avancé du tout dans la quête principale en fait. Alors, c'était arrêté juste après les crises barres, donc. Ouais. Quoi, cet endroit, j'étais même pas venu. Hein. Des coffres, des urnes. Son radin en potion avec moi dans les urnes. Il y en a sur les étagères, ça va encore.
paumé. Je suis pas venu du tout de ce coin, dans ce coin-là. Pourquoi je clique alors que je vois urne vide déjà? Urne vide, urne. Je sais, ça prend quelques instants, mais ça peut me sauver la vie d'avoir récupéré ces potions de santé. Alors, mythe de Talala, guérison, augmentation jusqu'à 29. C'est très bien ça. Bon, allez. Sortons. Il y a des cadavres, j'ai dû passer par là. Ok, ça y est, là c'était ce qu'il y avait les. Tout le monde qui se battait. Et ouais, j'ai aperçu la potion. Je la prends. Oh, il est joli là, c'est un arc en ébonite là, l'écran de chargement. Il est plutôt C'est sympa. sympathique, ouais. Peut-être même des draps, non? Vu qu'il y a des marques rouges. On va regarder tout de suite parce qu'un arc en ébonite, j'en ai récupéré un. Et ouais, ça doit pas être. C'est pas un ébonite. Parce que l'ébonite, je l'ai là. Et il ressemble pas du tout. Du coup, ça doit être le dédra, ouais. Effectivement. Mon avis, l'arc en ébonite, je vais l'améliorer. Et je vais remettre le même enchantement que l'autre. Et il va être juste énorme. Bon, après, il a quand Chance. même inflige 50 de dégâts de magie. Faire que je trouve une sacrée gemme pour les faire, hein. Pour l'enchanter avec les 50 de magie quand même. Alors du coup, l'auberge du géant endormi. Carte. Rivebois. Rivebois. Une des premières villes. Ouais, c'est là où c'est qu'il faut pas tuer les poules et tout. C'est ça. On va regarder tout de suite si je peux l'améliorer. Qu'est-ce que t'as à vendre? Si je peux virer quelques trucs. Tac tac tac. Non, je ne peux pas virer grand-chose. Et lui, est-ce qu'il aurait un ébonite raffiné? Oui. Je vais t'en acheter un et je vais améliorer l'arc tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc oui, on améliore un arc sur une meule. Parfaitement logique. Et alors? Ouais, avec amélioré, il fait quand même 36 passe à 43 par rapport à l'autre. Ah non, c'était une pierre de lune raffinée qu'il fallait, c'était même pas de l'ébonite. Ah si, non, c'était une ébonite, ouais, je raconte n'importe quoi. Bon, je verrai plus tard pour l'enchanter. J'ai pas de table d'enchantement dans le coin. Dans le coin, coin. Alors, l'auberge, ça doit être là. Ah, ouais. Si les gardes de Blancherif peuvent tuer un dragon, c'est pas les gardes de Blancherif qui ont tué le dragon, c'est moi, les gars. Pas déconner. Les gardes de Blancherif qui s'attribuent tout le mérite encore. Sérieusement. Alors, que je lui parle à elle? Daphné. Louer la mansarde. Sur votre gauche. Donc c'est celle-là. Oui, aussi bien se marquer en plus. Mais je vais fermer la porte. Ok, j'ai déjà dû passer dans le coin puisque.
Donc dormir, PM c'est l'après-midi. On va dormir 10 heures pour passer le temps. Adressez-vous à Daphné, mais je te suis. C'est Lydia qui fait chier le monde encore. Non? Mais je te suis. Ah, ça y est, elle bouge. Claire décidée, hein? Non, ça c'est de l'alchimie. Je peux chercher dans le coffre. Sans voler, ah, c'est à moi alors. Oui, oh, et comment il me parle? Je crois que je vais. C'est what? Oh le passage secret! Il y a plein de potions là-bas. C'est à moi? Elle veut que je lui parle. Parlons-lui. Pourquoi tout ce mystère? Mais c'est qui ça? C'est qui ça? Je ne me suis pas donné tout ce mal sur un coup de tête. Il fallait que je sois sûr qu'il ne s'agissait pas d'un piège totalement. Je ne suis pas votre ennemi. Je vous ai déjà donné la forme. J'essaie de vous aider. Il faut juste. Mais t'es qui? Je l'ai dit dans mon mot, j'ai entendu dire que vous étiez l'enfant de dragon. Mais oui, je suis l'enfant de dragon. C'est moi le boss, quoi. Bien sûr. C'est clair, ils sont prévisibles, les grises barbes quand même. Salut War76. C'est pas un garde à gauche, c'est Lydia à gauche. C'est une armure ajoutée par un mod. Mais c'est pas des armures cheatées hein, qui sont ajoutées dans le mod. C'est une armure impériale héroïque. Attends, t'as pas vu, je vais te montrer. Dès que le dialogue est fini, War, je vais te montrer aussi mon armure. Tu vas voir. Elle déchire aussi. Je le sais. Je suis allé voir les vieux terres où étaient enterrés les dragons.
les êtres de goût. Les aider couverts vont réapparaître le prochain. On va aller ah là-bas et vous tuerez ce dragon. C'est où sont les dragons? Moi, c'est nickel ça. Je le sais. Je suis allé voir les vieux terres où étaient enterrés les dragons. Les êtres de goût. Les aider couverts vont réapparaître. On va aller là-bas. Oui. Ah mais j'ai vu presque la même chose, hein. Le bosquet de Kim. Un dragon a été enterré non loin de là il y a fort longtemps. Si nous arrivons là, bosquet de Kim. Nous apprendrons peut-être comment empêcher le produit. Allons tuer le dragon. Laissez-moi une minute pour me préparer. Vas-y, vas-y, mais je suis en train de. De dépouiller tes trucs, je peux prendre, c'est à moi. Encore de l'alchimie, hein, j'en fiche l'alchimie. Flèche d'acier. Ah, il y a un truc d'enchantement là. Donc, mon armure, alors attends qu'on se mette à la lumière. Ouais, mon armure. Petite armure en ébonite spécifique. Et celle-là, elle s'appelle, c'était déjà, tac tac tac, Crimson Spellbinder. Et Edichia. Jolie petite armure. Hôtel d'enchantement, je m'enchantais vite fait l'arc. Arc en ébonite. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Capture d'âme, on s'en fiche, dégâts de feu, de foudre. De glace, vigueur, dégâts magiques. Les autres je peux pas. C'était quoi que j'avais sur l'autre déjà, sur l'autre arc? Un dégât de magie. Dégâts magie, non? Ouais, dégâts magie. Tac tac tac. Oui. Et gemme spirituelle. Attends, je peux mettre que 25 de dégâts magiques, quoi. Alors pourtant, j'ai une gemme spirituelle magistrale. Mais que rien. Ouais. Ça sera de toute façon mieux. Enchanter l'objet. Oui. Ah, il y a un bouquin ici. Livre de l'enfant de dragon. Ouais, on s'en fiche. Alors, carte des cimetières de dragons. Je vais la prendre. Ce sera toujours pratique. Non, c'est pas un bouquin qui va me faire prendre. Du coup, Lydia, je vais te donner mon arc que j'avais avant, l'arc elfe. Parce que bon, elle avait le rossignol, mais le rossignol, 30, 40, 55. Ah, c'est ça, c'est dans Fable 1, cette armure. J'ai bien que ça me disait quelque chose. Ouais, je vais lui donner l'arc, à mon avis, il est bien mieux pour elle. Du coup, alors que je pense à mettre mon arc d'ébonite en favori aussi. Ça passe cette petite musique. Alors, le bosquet de Kin, c'est où? Alors, non, ça, c'est où c'est qu'il faut que je peux ramener la corne au barbe. Il est où, le bosquet? Ouh, c'est loin. Alors, j'ai pas de
Bon, je vais partir de Vendôme. Vendôme, c'est pas très loin. Je vais pas me taper tout à pied, hein. Faut pas déconner. Ça fait un petit bout quand même. Bah, ça va encore. Là, de Vendôme, ça va, de Sur Vendôme. un terrain plat en plus, donc. Ouais, de Vendôme, je piquais un cheval et puis. Puis c'est bon. Ah, bientôt level 37, j'avais pas vu. Là les chevaux. Allez, un dada. Pouf. Bah les pattes, je m'en fiche. Je suis déjà parti. Ouais, on va regarder sur la carte. Je suis dans le bon sens. Tac tac tac. Ah non, je crois qu'il. J'ai pas vu de prime. Bon, au cas où, je vais recharger. J'ai pas envie de m'embêter. Bord de ciel. Ok. Bon, c'est pas grave. Bonsoir, Adriane Jumelette. Bonsoir à toi et bienvenue sur ce stream sur du Skyrim. Bon allez, moi j'y vais pas. Ça, faut pas déconner. Moi je vais y aller à pied, c'est pas loin. Et bonsoir Martin, ça va très bien et toi? Ah non, c'est moi le héros là, Wars. C'est moi. Faut pas déconner. Allez, on va courir un petit peu. Ça va, on est en plein jour. Faut pas être trop embêté. Évidemment. Tempête de neige. C'est cool. La nuit s'est assombrie très vite. Faut que je prenne à gauche, hein. Ouais. Un dragon? Il est où le dragon? Encore un dragon qui veut se faire défoncer. Ça va être en haut. Je grimpe. Grimpo. Où je l'ai entendu? Je suis pas parti du bon côté. Il y a a priori un chemin pour grimper par là-bas. Ah, voilà le dragon. Ce serait bien que la vigueur remonte. Voilà.
Allez, descends. Oula. Allez, hop, ça c'est fait. Il a pas fait long feu le dragon quand même. Go bet, même pas le temps de partir tranquillement. Bon, il est parti où l'autre? Allez! Il s'est barré l'autre. Allez, un soldat à fouiller. Il a rien du tout sur lui quoi. Et l'autre. Ils ont même pas des piécettes quoi. Bon, ça suffit Delphine comme preuve là? Oh, j'aperçois un dragon au fond là-bas. Petit, petit, petit. C'est vrai qu'Ulfric, il aurait pas eu le dragon, il aurait perdu la tête. Bon, c'est pas le seul. À vrai dire, moi aussi, mais bon. Allez, dépêche, il y a un dragon là-bas qui attend que j'aille le tuer. Il y a un dragon aussi à gauche. C'est bon, il y a un dragon là-haut. Je dois me tromper. Juste le dragon qui est là-bas. Mais elle a pas fini de me parler, elle, je crois. Ok. Là-bas, moi j'ai vu un dragon qui attendait juste que j'aille le tuer. Ouais, il est encore là-bas. Copain, j'arrive. Il y a des mammouths là-bas. L'homme qui traversait sa cape. Oh ouais. C'est pas un truc d'origine les capes.
par ça. Alors, j'allais faire les dragons et puis je vais revenir. Là, il y a un géant et un mammouth. Je vais d'abord aller tuer le dragon parce que tuer les dragons, c'est mon job. Oh, il a l'air gros. Dragon de glace. À mon avis, t'as dû aimer mon petit souffle. Allez, descends, viens au sol. J'ai pas envie de m'embêter avec l'arc. J'aime pas les arcs. Vu que c'est un marais, je suis sûr qu'il va pas vouloir se poser. Je l'ai perdu de vue, en plus. C'est qu'il est parti. Il a eu peur, quoi. Ah ben non, le voilà. Ouais, petit bug d'affichage, il avait disparu. Allez. C'est qui le patron? Ah, c'est moi. Ouais, ces petits gants, on va ramasser. Ça m'a l'air curieux ce qu'il y a là-haut. On va aller vite fait inspecter. Crête de l'ossuaire. Eh ben, il y a même un cri à aller chercher. C'est nickel. Franchement. J'espère que c'est bon, un bon cri. Mode puissance prix, gelé, souffle glacé. Ah, c'est un cri que j'ai déjà. De glace, non, les cris ils sont là. Souffle ardent, ah oui, le souffle gelé en plus, je l'ai du coup en entier. Dépenser âme, et je crois que ça va devenir mon nouveau souffle actif. Ah, il y avait un coffre là-bas, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Boule de lumière qui affiche. Ouais, ça peut être marrant. Collier. Ah, encore une masse en ébonite. Oh, c'est cool. Je vais pouvoir l'améliorer et la donner à Lydia. Non, ça a l'air pas mal ça. Ça, c'est nul. Bon, du coup. On se casse. Crête de l'ossuaire, ok. Est-ce que je vais redonner la corne de Jogend par le vent tout de suite? Ouais, je vais la rendre. Et après, on va retourner voir l'autre là, Delphine. Arrive-bois. Je crois que j'ai perdu Yoniel, elle a dû s'endormir, elle était fatiguée. Non, non, je suis encore là. Ah, ça va, tu dors pas encore. Quand même Si j'entends ronfler, c'est que tu t'es endormi, c'est ça? C'est ça. Alors, par là, hop, c'est à toi. Prenez le mot de puissance auprès de machin.
Donc j'attends qu'il soit en bas. Allez, je dois te parler. Bon, ils arrivent tous là, à mon avis. Okay. Alors, déferlement, hop, on va l'équiper. Ok, j'ai appris. Tac, tac, tac. Déverrouiller. Hop, on dépense les âmes. Il me reste plus que 9. Oh, il me reste encore 9 âmes de dragon, quoi. Ah, bah, c'est cool. Il me donne une âme en plus. C'est cadeau. Wow. C'est bon, ils ont fini. Je peux me barrer. Voilà, obligé d'attendre. Ok, c'est fini, je peux me barrer, ils veulent plus rien de moi. Bon, je vais rééquiper le cri de glace. Bon, on va directement. Allez, arrive bois. Bonsoir, Manofit. Bienvenue sur le stream. Allez, on va aller retourner. À l'auberge du géant, endormi. Allez, je suis sûr qu'il y a Lydia qui va encore la gêner. Allez, viens là, Lydia. Pendant que les Talmor me cherchaient, je les observais.
Allez, comment? C'est un elfe des bois, on peut pas lui faire confiance. Non, non, on peut pas lui faire confiance. Un elfe des bois. Tout de suite. C'est préjugé, sérieux quand même. Non, mais un elfe des bois, c'est. Enfin, tout... les elfes en général, tu peux pas leur faire confiance. Ok, retourne à la solitude. Ok, bon, on va ressortir de là. On va aller à la solitude. C'est quand même plus pratique de pouvoir se déplacer sans être transformé en vampire sans arrêt. C'est clair. Solitude. C'est là-bas. Et on est parti pour solitude. Alors, hop. Le Ragnar pervers. Allons dans le Ragnar pervers. À qui je dois parler? Ok. Oui, Melbourne. Il vous faut quelque chose? Vraiment? C'est vous qui l'a choisi? J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Écoutez. Je peux faire entrer de l'équipement en douce dans l'ambassade. N'apportez rien avec vous. Les Talmor ne plaisantent pas avec la sécurité. Donnez-moi ce dont vous avez absolument besoin et je ferai en sorte de le cacher dans l'ambassade. Le reste dépend. Comment ça, il faut que je donne mon stuff, c'est ça en gros? Et que je vais récupérer. Tu lui donnes les pièces que tu vas récupérer là-bas, une fois qu'il sera. Donc ce que j'ai d'équipé en fait sur moi en gros. C'est ça. Ah, l'armure, éventuellement la potion. Qu'est-ce que tu fais? J'aime pas trop ça, mais bon. T'inquiète, tu la récupéreras vite. Hop. Ça, j'en ai des flèches aussi, ça peut être utile. Tac, et des potions. Je suis tout nu. Ah mon dieu. Allez, on se barre. Votre travail consiste à vous introduire dans la soirée sans être menacé. Que de suite moins classe, hein. Tout de suite, ouais. Alors, faut que j'aille où? Pourquoi faut que j'aille retrouver Delphine aux écuries? Ok, je vais me balader à poil en fait là-dedans. Bon, au pire, hein, s'ils me font chier, je me transforme en loup-garou et hein, je les bouffe tous tout cru. Oui, c'est prêt.
Je garderai le reste de mes affaires jusqu'à la fin. Vous n'aurez que ce que Malvorn me rappelle à ce qu'on dit, plus ce que vous pourrez trouver à l'intérieur. Je ne peux pas aller à la prison. Ok. Elle m'a donné des fringues. Vêtements festifs. Bat festive, ok, c'est tout. Voilà, c'est mieux comme ça. Il faudra se contenter de ça. Vous devriez donner le champ sans trop de problème. Au moins, j'espère que vous voyez la vie. En route, sympa. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tout intact à votre entrée. Oui, intérêt, sinon je te défonce. Non mais... T'es les gens, ils prennent mon stuff, quoi, comme ça. Bon, ça va, hein, ça avance assez vite, je traîne pas, t'as vu. Hein. Ah bah ouais, moi je ne pas trop mal. Allez, hop. Allez. Bienvenue à l'ambassade de Talmor. Votre invitation. Merci, monsieur. Enfin. Oh, c'est gentil. C'est gentil, je rentre avec plaisir. D'ailleurs, je crois que la cape que j'ai, le symbole derrière, c'est le symbole des Talmor. Je ne crois pas que nous nous connaissons. Je suis Hélène Moore, l'ambassadrice du Talmor. Et vous êtes... Allez, on va faire. On va faire des éloges et tout. Allez, je vais le voir. Ah, vous avez réussi à entrer, parfait. Dès que vous aurez distrait les gardes, j'irai ouvrir cette porte et nous pourrons poursuivre. Espérons que tout se passera bien. Je suis prêt. Je vais voir s'il nous en reste une bouteille. Je vais attendre auprès de la porte, que tout le monde soit distrait. Comment il veut que je fasse la distraction ? Tu vas parler aux invités, t'essayes de foutre le bordel. Tenez, voilà pour vous. De la colo de vie, la meilleure qui soit. Avez-vous besoin d'autre chose? Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir à boire ici? Vous êtes la seule personne généreuse. Lui, il a l'air d'être le bon ivrogne du coin. Je lui donne un verre direct, je pense que ça va faire de l'animation. Allez, cache direct. J'aime bien ce le stuff là, du celui de droite là, truc de mage et tout, plutôt sympathique. En fait, j'ai parlé directement au bon mec qu'il fallait quoi. Oui, après les autres aussi peuvent te faire des diversions, mais c'est en fonction si t'as fait une quête qui les concernait ou pas.
avait une jolie fleur. C'est à moi. Jusqu'ici tout va bien. Espérons que personne ne nous a vu nous éclipser. Alors, est-ce qu'il m'a redonné mon stuff? Non, pas encore. Nous devons traverser la cuisine. Votre équipement est caché dans le garde-manger. Restez près de moi et laissez-moi partir, d'accord? Suivez-moi. Ego? Convives qui ne se sent pas bien. Il vaut mieux ne pas s'en occuper. De la visite dans la cuisine, c'est contraire aux règles. C'est génial, hein, ça va bien. Au fait, je croyais que c'était interdit de manger du sucre lune. Je devrais peut-être demander à l'ambassadrice. Sortez. Je vais verrouiller la porte. Alors, récupérez votre équipement. Allez. C'est à moi tout ça. Derrière vous, votre équipement se trouve dans ce coffre. Je vous conseille de réussir. Et on va se rééquiper parce que. Tac, tac, tac. Oh, j'ai eu un mini lag. Voilà. Dépêchez-vous. Il faut que je sois de retour avant que l'on ne remarque mon absence. Vite, si quelqu'un se rend compte que je ne suis pas à la scène. Je vous laisse à présent. Bonne chance. Ok. Je me fais attaquer direct. Bon, on va tous les défoncer. T'es pas censé t'aventurer par là en fait, donc. Pas grave. Voilà. Je récupère, c'est le stuff que je trouvais joli. J'étais censé partir de ce qu'il y a. Ça semble qu'il va croupir dans le coffre. Ah oui, ça va croupir dans le coffre, mais quand je pourrais. Faut que j'aille où du coup? Ah non, c'est dans le coin, mais bon, c'est censé y aller discrètement, en fait, de base. Discrétion, c'est ce que j'ai fait, non? C'est pas la discrétion? Ils sont tous morts. Je suis discret. Non, ça va être dans la pièce là où vous étiez, ce que t'as tué. Ouais, c'est bon. Hop. Ah, je trouvais pas où partir. Ah. Je sais pas pourquoi ils m'attaquent tous, hein, mais bon, tant pis pour eux. Comment ils ont su que j'ai tué les mecs dans la pièce, dans l'autre pièce quand même, sincèrement. C'était fermé et tout. Ils ont sûrement dû entendre des hurlements, un truc du genre. C'est pas grave, on va tuer tout le monde. Clé de la salle d'interrogatoire, je prends, j'aime. Attends, je le fais, je l'ai.
peux pas résister, il y avait une vitrine à ouvrir. J'ai du mal, c'est une expert. Ah, ça y est. Dague elfique, on s'en fiche. Quoi? Non. Coronorn et de rubis, c'est à moi. Rien de particulier là-dedans. Hop. Faut que je descende ou... En donjon, maître déverrouillé. C'est par là qu'il faut que j'aille. Je suis même pas sûr, je pense pas. Si, c'est bon, tu dois avoir la clé, non? Ouais, ouais, c'est bon, du coup, je vais la clé. C'est ça, fait que je descende et. Hop, le coffre ici. Dossier Talmor. C'est ça que je devais prendre, je pense. Je vous l'ai dit, je ne sais rien d'autre à ce sujet. Vraiment? Qu'est-ce que vous voulez alors? Bon, je vais le délivrer lui. Etienne Rarnis. Je vais faire, il faut que tu passes par là. Pas de problème. Merci de m'avoir sauvé. Je vous dois une fière chandelle. Passez me voir à Fayez si vous vous en sentez. Toujours bon d'avoir des personnes qui te sont redevables. Cette serrure ne peut pas être crochetée. Le soldat, est-ce qu'il l'avait, la clé? Non. Faut que je fasse quoi, moi? Du coup, j'ai même plus rien d'affiché. Recherche les informations au sujet du retour des dragons. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et après? Que je regarde dans mon inventaire le l'item que j'ai récupéré. Peut-être. Peut-être. Voilà, oui. Voilà. Échappez-vous de l'ambassade. Du Talmor. Alors tu l'ouvres cette porte, cette trappe ou... Ouf, une hache d'ébonite. Je la ramasse. Écoutez, Sycophant, vous ne pouvez pas sortir d'ici et nous tenons votre complice. Rendez-vous immédiatement ou vous mourrez. Peu importe, je suis déjà mort. Silence, prête. Avancez, doucement. Qu'est-ce que vous faites? Ne me tuez pas. C'était là-haut, mais c'est là la sortie. Il y avait des gardes à l'étage, faudrait que tu ailles les tuer. Ah, et voilà! Clé de la trappe, voilà! Clé de la trappe, on va pas la reprendre, deuxième fois, ça sert à rien. Allez, on ouvre la trappe. Oh, it's a trap! Oh, c'est sombre. On est obligé de sauter. Reviens.
Viens là, Yeti. C'est un troll des glaces. De la graisse de troll. C'est bon, la graisse de troll. Allez, on ouais, se casse. Moi, je suis possédé pour l'alchimie encore. Je fais pas mal d'alchimie aussi. Maintenant, les trolls morts vont me pourchasser et ils ne me lâcheront pas. Adressez-vous à Delphine. Ouais, ouais, où elle est partie, Delphine. Elle serait retournée à... Rivebois, sûrement. À Rivebois. Et bon, c'était TP là-bas. Bon, on devait faire la discrétion chez les Talmors. C'est tout à fait ce que j'ai fait. Je pense que vous pourrez confirmer cela. C'est en toute discrétion. Oui, en effet, personne ne t'a vu. Non, personne. Personne de vivant. Personne de vivant ne m'a vu. Enfin, voilà. C'est ça, de la discrétion. Moi je préfère l'épée. Le type quoi. T'en vas pas, je veux t'acheter Alvor. Non, je voudrais t'acheter de l'ébonite, copain. Pourquoi tu t'en vas? À l'intérieur, je voudrais améliorer la hache tout de suite, comme ça je vais pouvoir la donner à Lydia. C'est peut-être pas la bonne heure pour lui acheter, peut-être trop tôt. Bon, on va ressortir. Je vais regarder, je sais même pas l'heure qu'il est in game. 7h41 du matin, on va laisser passer 3h. Ce sera 10h41, ça sera pas trop mal. Alors voilà, elle va. Alors, tac. Ah, sérieux, il a pas des bonites quoi. Pas de balle. C'est passé quand même le temps. Je sais pas tous les combien ils renouvellent leur stock. Comme leur pièce, 48 heures ou 24 heures suffit. Sûrement. Bon, je vais voir au bout de 24 heures. Sans bien en profiter, je pourrais l'équiper tout de suite avec une. Avec une belle hache. Alors, est-ce que... Bon, non. Ça doit être 48 heures, comme pour... Comme pour le renouvellement de leur gold. Bon, ça va, c'est juste quelques secondes à passer. Alors, je sais pas s'il y a un bug ou quoi, mais je vois plus personne sur le. Qui regarde le stream. Même toi, je vois même plus dans les spectateurs ou quoi que ce soit. Ah bon ? C'est un bug, oui, parce que pourtant je suis encore devant. Allez, elle va. Allez. Purée, il a pas des bonites quoi. Seriously. C'est abusé, il en avait tout à l'heure quoi.
La flemme de retourner jusque chez moi alors que j'en ai chez moi. Hein. C'est ça le pire. Hein. Bon, s'il en a pas là, je vais retourner chez moi pour le faire, quoi, parce que... C'est plus simple, parce que là... Faut essayer ce que je vais faire... Il y a un truc qui m'inquiète, c'est que j'ai vu qu'une seule masse sur moi. Des... Non, les trucs que je... Ah bah non, c'était dans ceux que je pouvais vendre, c'est normal. Puisqu'il y en a une, comme j'avais dit, c'était du volet. C'est donc pour ça que je ne pouvais pas la vendre, que je la voyais pas. Allez. Allez chercher de l'ébonite, vite fait. Où mon ébonite? J'ai plus d'ébonite? Non. Bon, je trouve que j'ai plus d'ébonite. C'est chez le marchand à côté? Il y a deux forgerons ouais. Là, juste ouais. À côté. Il y a deux forgerons. Enfin, quand j'ai regardé l'autre fois, c'était en commun ce qu'ils avaient. C'était un peu bizarre d'ailleurs. Non. C'était peut-être un bug, mais. J'ai des articles de qualité ici. Non mais pierre de lune, minerai de fer, argent, glomeur, acier. C'est quoi? C'est à l'intérieur hein, le deuxième, c'est ça hein? Ouais. Ah, c'est pourquoi c'est pas encore ouvert? Ah, c'est pas encore l'heure. C'est pour ça. Ah, ébonite. Vous n'avez pas assez d'or? Ah non, c'est l'autre ah bah oui. C'est l'autre catou. Oh, sérieux. Le truc qui est nul, quoi. C'est pour rien. Tout ça pour que dalle. Bon. C'est ce qu'on appelle perdre du temps. Mais bon. Bon, perdu quoi, 5-10 minutes, c'est pas un drame, ça va encore. Ah, c'est bon, j'ai bien mes deux masses. Commence à être ensanglanté un petit peu la masse, là je vois. Jugé endormi. Au moins vous avez réussi à sortir. Vous avez appris quelque chose d'utile. Vraiment, j'ai du mal à le croire. Vous n'avez aucun doute à ce sujet. C'est vrai. C'est juste que j'étais persuadé qu'il se cachait derrière tout ça. Si ce ne sont pas les femmes morts, alors qui? Ou quoi? Esberne, il est tendu. C'est qui Esberne? Percée à la frontière, c'est déjà un bon point de départ.
Bah c'est bon, c'est mes potes là-bas. La souricière, c'est chez moi. Juste à côté en plus, oui. On s'en fiche. Elle m'a rendu mes affaires, elle, ou pas? Non, elle m'a pas rendu mes affaires. Ça doit être dans le coffre, normalement, qui est à côté d'elle. Vide. Coffre, ici. Ah, t'as rien récupéré votre équipement. Non, mais faut pas déconner, quoi. C'est à moi, quoi. Ok. J'ai fait un R pour tout récupérer. C'était plus rapide. Mes gold, non mais faut pas déconner. Alors est-ce qu'il va avoir de les bonus ce coup-ci? Que dalle, il en a pas forcément. Bon, je regarde vite fait s'ils en vendent là. S'ils en vendent pas, je me casse pour continuer parce que. Bon, ça devrait aller, ça fait pas un jour de marche, rien de voir, donc normalement, ils doivent encore en avoir. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Faire des dégâts. N'oubliez pas d'aller voir un intervenant. Oh bah, en prenant de l'éloquence, en achetant, j'ai up. Bravo. Alors on voit quand même que la masse fait 88 et la hache fait 82 de base quoi. Et la hache passe à 127 alors que la masse passe à 133. Oh, c'est bien. Je vais mettre une hache à Lydia. C'est classe une hache. J'ai pas des trucs à lui vendre au passage vite fait. Vu qu'elle m'a plumé de 510 gold pour les bonites. Dans ce que j'ai ramassé. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Je sais même pas. Gantelet d'acherie, ça. Flèche nordique. Qu'est-ce que je fais avec des flèches nordiques? C'est bon, c'est tout ce qu'elle veut ramasser. Allez, on va aller à Fort Dragon pour enchanter sa hache. Et après, on se casse. Continue la quête. Objet H de bonite, enchantement. Mettre de la foudre, c'est bien la foudre. C'est sympa aussi, oui. Bah, je vais mettre que 10 points, comme ça lui fera 215 charges. Ça passe, ça sera assez longtemps. Hop. Lydia, j'ai un cadeau pour toi. Tac tac tac, elle est où? Le trier. HD bonite, c'est cadeau, ma petite Lydia. Je vais reprendre ces trucs là, ça sert à rien que tu les aies.
Alors c'est pareil, je lui ai filé mes équipements de forge pour améliorer quant à la forge, et elle les équipe, cette cruche. Repart. Je lui donne un anneau qui fait gagner 20 points de vie, et non, elle équipe l'anneau avec arme et armure, peuvent être améliorés de 11%. Oui, on lui dira. Allez, on est reparti. Au niveau poids, je suis comment? Moi, je suis un phare que... Je vais les vider parce que j'ai déjà pas mal de choses. Ah, écran noir. J'aime pas... Ah, ça y est, ça charge. Tac. Oui, je prends le chargement pour aller jusqu'à l'entrée de la ville. C'est plus rapide. Allez, le coffre à bordel pour le tri, c'est la petite table basse ici. Tac, tac. C'est vrai que j'avais des os de dragon aussi sur moi. Ça aide pas au niveau du poids. Hop, hop. Génial. Ça aussi, je peux le virer. Ça, je peux pas, c'est un truc de quête. C'est déjà grandement mieux. On s'est débarrassé de 200 quand même. J'étais à 375, je suis arrivé à 176. C'est quand même bien mieux. Alors, du coup, maintenant, faut que j'aille où? J'ai même plus fait attention à la quête. Ça y est, non? C'était vers le voleur. Ah oui, il y a la souricière. Donc, je peux aller directement à la guilde des voleurs. Je serai directement au bon endroit. Enfin, presque. Ah, mais c'est un mec qui est là. C'est d'ici que j'ai sauvé. Pas exactement. C'est à côté de la souricière, ça reste dans les tunnels. Ouais, non, mais le mec que j'ai sauvé, là, qui était dans le cachot, c'est, ah, un, oui. C'est un de la guilde des voleurs. C'était un voleur, donc... Son nom, mais il a commis trop cher. Personne n'a pas. C'est
cache dans les galeries de la souricière et ne les trouve pour ainsi dire. Ça lui apporte à voir. C'est un vieux dingue à ce que j'ai entendu. Et pour que les gens remarquent ici, ils doivent vraiment être des gens. Trouver une berne dans les galeries de la souricière. Bon. Telles morts qui sont déjà arrivés là. Fallait s'en douter qu'il y aurait du tel mort qui viendrait. Toi tu remballes. Ah, une potion de résistance au feu. Où est-ce qu'il va être ce vieux fou? Par là sur la gauche. Par là, c'est bon. La souricière, les voûtes. Son adresse. Je vais vous donner son adresse, non mais. Oui, c'est moi l'enfant de dragon, allez, ouvre. Là, t'as intérêt à être patient parce qu'il va falloir du temps hein, pour tout ouvrir. Oh putain, il y a combien de verrous? Un paquet. Là, lui. C'était qui là, ce cuisinier là? Un petit feu fou. Ok, bah il a ouvert la porte. Oh, les verrous, les chaînes et tout. Ils rigolent pas avec les sécurités, hein. Ouais.
Alduin, c'est ça. Livre de Dédas, nous on s'en fout. Une porte, on va la déverrouiller pour aller tuer l'autre qui est derrière. C'est fait. Allez. Je remets encore un coup à Iceburn, quoi. C'est bon. Bon, c'est par où la sortie? Par là. Complètement paumé moi là-dedans. Mais courage, c'est pas si grand. Faut que je remonte le souvenir. C'est l'étage de dessus encore. C'est pour descendre. Non, on y est presque, là j'ai tué un talement que j'avais tué, tac tac tac. Ah, la cruche percée. Vous cherchez du travail? Non, faut que je continue par là. Réservoir de la cruche percée. Tu vois, t'as réussi à sortir. Ouais, t'as vu la glace. Hein. Elle était là. Allez, on ressort pour aller à Fayez.
Ok, maintenant il faut que j'aille où? On laisse bois sûrement, non? Je peux me TP directement ou il va me suivre? Faut que j'aille. Normalement, tu peux te TP. Vu qu'il faut l'escorter, parce que sinon ça fait un petit bout quand même. Ouais, c'est bon, il est là. Allez, on va à l'auberge du géant endormi. Oui, il est là. J'ai déjà lu ça. Moi j'ai l'impression. Mais pour répondre, il a aussi foulé au pied le nom sacré de Talos. Pas simple de répondre. Vous voulez. Ce sont les hauts elfes qui règnent sur le domaine Alduin. Il y a 30 ans, depuis, ils cherchent à affaiblir l'Empire partout le monde. Ah, enfin, il lui parle. Je vais descendre avant elle parce qu'elle avance à rien. J'avais un point de compétence à mettre. Mettre un petit peu de vigueur, j'ai beaucoup de santé. Le point, je sais même pas en quoi je vais le mettre. Ah, je suis passé à 80 en arme à une main. Non, je peux pas faire grand chose. Au courant, une attaque puissante avec une arme. Un double dégâts. Enfin, fiche, je fais pas de charge. Moi, je. Bon, on verra plus tard. On verra plus tard pour attribuer ce point. Oui, c'est pas urgent. Ouais. Il n'y a personne sur le chat ou c'est moi qui. Personnellement, je vois rien, mais après. Il ne voit même pas connecté perso, donc bon. Bah oui, c'est pour ça. Sur les dragons. Je n'ai plus de souvenirs.
y aller. On va essayer de rentrer dans le temple d'œuvre ciel. Où il est ce temple? Près de Marca, je crois. Tac tac tac. Alors, c'est quoi le plus proche? La grotte de long mur, je pense. Ah, c'est du côté de Marcas. Dragon. Ça faisait longtemps. Et un ours. Ah, redescends. Redescends, reviens, 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 je l'ai même à la maison. Voilà. Allez, hop. Armure de fer de destruction, on s'en fiche. Le poisson, on s'en fiche. Ça, compo d'alchimie, je prends. Ça, je prends. Compo d'alchimie, je prends aussi. Alors, comment je vais descendre? Oula, il y a encore du dragon là-bas. Ça m'étonne pas. Par contre, j'ai pas absorbé d'armes sur l'autre. C'est pas un des dragons du bas que tu avais ajouté? Ben, je pense que j'avais désactivé normalement. Je crois qu'il va pas se poser ici, lui. Je pense parce que... Allez, hop. Armure lourde augmentée à 66. Et hop, une main qui augmente jusqu'à 81. Botte à revers en acier, on s'en fiche. Cimetière de verre de l'Est. Il est joli. Ramassé. Les golds, les trucs de dragon. Ça prend un poids incommensurable. Mais Lydia, où es-tu? Ouais. Celui-là, celui-là, je vais apprendre l'âme. Ouais, bizarre. Ceux qui ont des noms, je peux pas absorber les âmes. Ça doit être du mode. Pourtant, je crois qu'il marchait pas. Ok, je lui donne. Les sources de dragon, ça y est, elle veut plus rien prendre déjà, quoi. Il
Allez, tu vas en ramasser un peu plus, ma petite Lydia. Non, elle veut vraiment rien prendre de plus, quoi. Les autres dragons, ça lui a suffi, quoi. Attendent pas là-bas les... le vieux et puis la Delphine. Alors, par où je vais aller pour y accéder? Faut que je suive le chemin et normalement ça va faire demi-tour pour remonter. Parjure. Vas-y, je retombe deux fois dans le même trou qui me fait tomber sous la flotte. Faut que je remonte. Ok, bon, je vais aller tous les tuer parce qu'ils m'énervent. Allez, hop. Allez, hop. Oula, qu'est-ce que j'ai pris qui m'a fait si mal d'un seul coup? On va prendre une petite potion. Ça doit être le javo, tant qu'il arrive. Ouais. C'était en plein finish move quand tu l'as pris. Attends, je crois qu'il y en a une, un autre qui a été lancé. Ok, non, encore, il y en a encore un au bout là-bas. Loin qui m'attaquait. Bon, je vais rentrer. Ça va être plus simple. Trop de monde, je sais plus qui est gentil, qui est pas gentil là avec moi. Je pense que c'est le chemin. Puisque le temple d'un ciel a été scellé pour empêcher le retour de l'ancien.
Ok. Voilà, ça sent le truc qu'il va falloir marcher sur les dalles. En effet, faire gaffe où tu marches. Mais c'est pas si compliqué, tu vas voir. Ouais, mais bon, avec la connasse de Lydia qui est derrière. Oh, elle a l'air de te suivre. C'est bon. J'entendais des cliquetis, mais bon, je pense que le truc prenait en compte que là où je passais. C'est louche, un coffre comme ça au milieu tout seul. Un arc des bodies, je vais le prendre. Ouf, je sais pourquoi je pense ça, j'aurais pas dû. Allez, Elburn. Mets-toi d'activer ça, s'il te plaît. Genre, c'est pas vrai, j'ai pas de dague de fer sur moi. C'est vachement sombre. Non, c'est pas là. Ça doit être plus loin du coup, je pense. Ça a l'air d'être à moitié un labyrinthe. Ça me propose d'aller à bord de ciel. Je comprends pas. On va ressortir. Je vais voir si c'est peut-être en extérieur du coup. C'est bizarre. Non, non. Faut que je retourne à l'intérieur. Ça sent l'utilisation de la clairvoyance. Ok, fallait juste que je l'attende. Que j'attende que Ber là qui soit. Sont... Sacrée représentation murale en tout cas. Sont bien appliqués, oui. Ouais. Ah,
Ah, voilà, c'est ce cri-là que je veux. Un cri qui fait tomber les dragons du ciel. Terminé. Commencer la gorge du monde. Bon, du coup, je vais passer par là pour sortir et puis pour me TP pour aller directement jusqu'au Grise Barbe. Oh, il y a un dragon là-bas. S'il est mort, il y en a pléthore aujourd'hui. Ouais, mais il est trop loin, il va jamais venir jusqu'ici. Puis l'arc, je l'aurais jamais d'ici. Ça paraît un peu tendu, oui. Pierre d'Amon, en plus j'ai pas le TP pour là-bas, donc je peux pas y aller. Donc on va aller, tac 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 tac, voir les vieux là-bas. Voir ce qu'ils peuvent nous dire sur ce cri, parce que ce cri est vraiment juste super pratique. Ça permet que les dragons descendent direct, pas besoin d'attendre pour aller les tuer à l'arc ou quoi que ce soit, quoi. Un gain de temps phénoménal. Bon, alors, c'est qu'il est les vieux fous. Allez.
avoir lié à ce cri a disparu avec le temps. Et ce, bien avant l'histoire de l'homme. Seuls ses créateurs l'ont peut-être connu. Mais disons parler n'entre pas dans les prérogatives. C'est le fruit de ceux qui avaient subi l'inimaginable cruauté du culte d'Alvier. Ils dédiaient leur vie entière à la haine du dragon et ont déversé toute leur colère et leur haine dans ce cri. Lorsque vous apprenez le cri, vous l'offrissez jusqu'au tréfonds de vous-même. Dans un sens, vous devenez le cri. Pour apprendre et maîtriser ce cri, vous devrez faire entrer ce mal en vous. C'est le fruit de ce cri. Lorsque vous pour apprendre et maîtriser ce cri, le seul Parthenax, le maître de notre ordre, peut répondre à cette question. Vous manquiez de pratique, et vous en manquez toujours. Mais grâce aux lames, vous avez maintenant des questions auxquelles seul Parthenax peut répondre. Il est notre maître. Il maîtrise la voie mieux que chacun d'entre nous. Il vit reclus au sommet de la montagne. Il s'adresse rarement à nous, et encore moins aux étrangers. Pouvoir s'entretenir avec lui est un grand privilège. Seuls ceux dont la voix est assez puissante peuvent trouver le chemin. Venez, nous allons vous enseigner le cri permettant d'ouvrir le chemin vers Parthenax. Allez, go, go, enseigne-moi le cri. Faites patient quand même pour prendre des cris avec vous. Parce que sinon, moi je dépouille toute votre bouffe chez vous, les gars. Et vous aurez plus rien à bouffer. T'as déjà fait ? Non, non, là je suis en train de voler quelques potions. Enfin, c'est pas du vol, c'est. Je suis fils de dragon, ils me doivent tout. Ils sont partis où ? Allez, me regarde pas, avance. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont lents! Qu'est-ce qu'ils sont lents, mon dieu! Courage! Si vous entendez ronfler, je suis désolé, c'est parce que je me serais endormi en attendant que les grises barbes avancent. Allez, ils sont presque. Allez, on va se réchauffer au coin du feu le temps que ils arrivent. Sinon, j'ai le temps de mourir de froid. Vas-y, enseigne-moi. Suivez-moi. Je vais vous montrer comment ouvrir le chemin vers Parthenax. Le ciel au-dessus, la gloire. Thank you.
Ouais, bah, t'es présent, ça n'a pas servi à grand chose, hein. Alors, ciel dégagé. Je suppose qu'il faut que j'apprenne les trois. Le mettre en favori, c'est beaucoup de choses en favori, mais bon. Prendre mon cri parce que ce cri là je vais même le l'enlever des favoris, je crois qu'il servira plus jamais sûrement. Ça s'en fiche. Impulsion et déferlement, ça ils servent, donc je les garde en favori. Filon d'argent, on s'en fiche. Alors pourquoi je prends des dégâts? Ah si, j'en ai encore besoin, je crois, en fait. Mince. Ah, un spectre de glace. Allez, hop. Un troll cramé, hein. Marc, non, c'est pratique ce cri, ça permet de déneiger. Enfin, d'enlever le... Ouais, bon, c'est occasionnel quand même. Quand il y a un temps, quand il fait pas beau. Allez. J'espère qu'on est bientôt en haut. J'aime bien, c'est que sans endurance, je peux quand même continuer à courir. Normal. Dragon. Ok, Parturnax, c'est un dragon. Je suis Parturnax. Je suis Parturnax. Salut à toi, Zé Alfred y Mercury. Bienvenue. Je suis tel que mon père Akatosh m'a créé. Comme vous, Dovahkiin.
faire ici, Volan? Pourquoi perturbez-vous ma méditation? Dren, patience. Il y a des formalités à respecter. C'est français, oui, c'est français. Soleil souffle ardent. Ok. Ok. Faut que. Souffle ardent. C'est celui-là hein, qui me. Non, c'est pas. Si, c'est celui-là qui m'a appris, mais je le connaissais déjà en entier, quoi. J'avais pas le dernier, quoi. Si, si. Ah non, ah non, j'avais pas le dernier, effectivement. Du coup, je virais celui de glace et prendre celui de feu. Je préfère le feu. Eh bien, bienvenue à toi depuis les States of America. Je ne mange pas une pamplemousse. Autre question. C'est une arme que les gens, les mortels, ont créée pour lutter contre les dômes, les dragons, nos adrimés, nos esprits, sont incapables de comprendre sa nature. Pourquoi souhaitez-vous apprendre ce tout-un? Prusa, c'est une excellente raison. Nombreux sont ceux qui pensent la même chose, mais pas tous. Certains diraient que toute chose doit avoir une fin, afin de laisser place à la suite. Ce monde est peut-être simplement l'œuf du prochain Kalpa, l'Invokin. Empêcheriez-vous la naissance d'un nouveau monde? Vous avez encore beaucoup à apprendre sur les Dor. La philosophie est tout pour un Dovah. Ce n'est pas pour rien que nous nous battons avec notre Tuum, notre voix. Il n'y a aucune différence entre combattre un dragon et débattre avec lui. Tinbak los Gra. Pour nous, c'est exactement la même chose. Mais vous m'avez laissé étancher ma soif de discussion assez longtemps. Crossis, je vais maintenant répondre à votre question. Savez-vous pourquoi je vis ici, au sommet du Monaven,
que vous nommez la gorge du monde. Cette montagne est la plus sacrée de bord de ciel. Zokrvaxbrunma, le grand sommet du monde. C'est ici que les anciens parleurs, les premiers mortels à maîtriser la voie, ont affronté Alduin et l'ont vaincu. Oui et non. Vicnos Nikron. Alduin n'a pas vraiment été vaincu non plus. Ou vous ne chercheriez pas un moyen d'en finir avec lui. Les Nordiques avaient utilisé le cri de Fandragon pour affaiblir Alduin. Mais cela n'a pas suffi. Okmulag Unslad. Ils ont dû avoir recours au Kel, le parchemin des anciens, pour le jeter dans les flots du temps. Ce n'était pas leur intention. Certains espéraient le faire disparaître à jamais. Mais j'ai toujours su qu'un jour il referait surface. Tid Boamatir, la course du temps est immuable. C'est pour cette raison que j'attends ici depuis des milliers d'années. Je savais où il apparaîtrait, mais pas quand. Tid Krent, le temps a été brisé ici, à cause de ce qu'ont fait les Nordiques à Alduin. Si vous rameniez ce Kel, ce parchemin des anciens ici, à la Tid Ahran, la fracture du temps. Avec le parchemin des anciens qui a brisé le temps, peut-être pourrez-vous retourner en arrière, de l'autre côté de la rupture. Vous pourriez apprendre le Fandragon auprès de ceux qui l'ont créé. Bon, allez, donc c'est qu'on peut le trouver ce parchemin des anciens, du coup. Tient de l'exploit pour tout genre, tout mortel, même pour quelqu'un qui appartient aux Dovassos, les sangs de dragon. Que voulez-vous me demander? Zoum Arkmor, Dremyolok, salutations. Portez-le ici à la Tid Ahran. Ensuite, quel est Vomindok? Rien n'est certain avec de telles choses. Mais je crois que le lien du parchemin avec la Tid Ahran vous offrira une vision du moment de sa création. Puis vous sentirez le Fandragon. Vous connaîtrez la puissance de sa première expression. Vous les verrez, Wout Fadon, mes amis, Akon, Gormait, Feldir. Les premiers mortels auxquels j'ai appris le tour, les premiers parleurs. Ceux qui ont mené la rébellion contre Alduin.
était assez puissant et brave pour oser affronter Alduin, Sahrothoun. De nombreux héros nordiques leur ont succédé, mais pas un ne les surpasse. Ok. Parlez, je vous écoute. Bon. Ok, parfait. Max qui a repris sa place. Donc du coup, je dois aller parler soit au Grisbarbe qui met 3 ans à parler, ou alors je peux aller voir. C'est le type de riche bois, ce sera plus rapide, non? Oui. Donc je vais aller au temple d'Avre Ciel direct. Et bonsoir à BME Scar. Alors, tac tac tac. Ah, faut que je me retape tout à pied là. Les Grisbarbes, ils avaient qu'à être un petit peu plus rapides à bouger parce que... C'est qui... Ok, ils doivent être en extérieur. Alors, tac tac tac, ciel dégagé, ouais. Mais il pleut toujours, c'est de l'arnaque ce cri. Faut pas trop en demander, hein. Ah si, ça y est, il pleut plus. Ce n'est pas le genre de truc qu'on trouve à la librairie du coin, non mais... Alors... Du coup, faut que j'aille à Fort d'Hiver... J'ai trouvé un des anciens. La meilleure attaque, c'est une bonne défense, pas vrai? Alors, bon, le souffle, pareil, je sais pas. On va voir si ça marche. Ah, bah j'arrive à Fort d'Hiver, c'est l'académie de magie. En fait, c'est ça, hein, si je me trompe pas. C'est ça. Même Lydia elle baille, elle en a marre. Peut-être, mais qu'espérez-vous y trouver? C'est vrai? Il est vrai que certains ici ont passé des années à étudier la somme de connaissances que contiennent les parchemins. Mais ce que vous cherchez a un prix,
et peut détruire quiconque n'ayant pas la force mentale nécessaire. Je pense que l'Académie peut vous offrir ce que vous cherchez. Mais la question est, que pouvez-vous offrir à l'Académie? Ils n'acceptent pas n'importe qui. Les postulants doivent démontrer qu'ils possèdent un don certain pour la magie. Une petite épreuve, si vous voulez. Non, je crois que je l'ignore totalement. Enfant de dragon, nous n'avons plus de contact avec les grises barbes depuis si longtemps. Maîtrisez-vous vraiment la terre? Je serai plus qu'impressionné. Voilà, hop. Allez hop, dépensez quelques sous pour... J'espère qu'ils servent un peu. Qu'est-ce que le cœur de magie a cru? T'es qui toi pour parler comme ça là? Barre-toi, t'as intérêt. Il me file un casque là et puis... Ah oui, c'est un fugitif. Normalement, t'as un chasseur qui va se ramener bientôt pour le rechercher. Oui. Allez, on rentre au chaud parce que... Ça me fait froid au dos toute cette neige. Alors, faut que j'aille sur le côté. Même pas peur de tes atronacs. Allez, on va être cash. Je suis à la recherche du parchemin des anciens. Ce sera plus simple, sinon t'es pas fini. Allez, puis on va le flatter quoi. Il a une bibliothèque impressionnante. Cette collection date de la deuxième ère.
Certains livres ont disparu au fil du temps, d'autres y ont été ajoutés. Mais elle est majoritairement atteinte. Évidemment, les mages doivent se rappeler de manipuler les matériaux de recherche avec précaution. La quête de l'extraordinaire. Parler à Urak de la ligne de taille, un autre bouquin aussi ou quoi? Ok, faut aller trouver Septimus. Septimus Prime. Ce n'est pas un secret. Alors. Oh, il est où c'est qu'il est? Oh là 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 là. Comment je vais me rendre là où il est, quoi? Faut que tu sortes de l'académie et normalement il est juste derrière, faut nager un peu. Ça me paraît haut pour sauter. C'est un peu dangereux, oui. Comment je vais descendre, moi? Sérieusement? T'es mis dans une de ces situations, allez. Mais non, voyons. Bien que dans Skyrim la gravité n'existe pas. Heureusement, oui. Voilà, je suis arrivé, je suis en bas. J'aimerais qu'il arrête de neiger parce que la neige comme ça c'est chiant. Filon de fer, on s'en fiche.
faudrait qu'il m'explique le mec ce qu'il était foutre à se planquer dans un dans un trou paumé comme ça quoi. C'est ça les ermites. Pas chercher hein. Oui. Alors hop. Qui c'est qui a demandé son orc flambé? Il y a un bateau. Je pense que je touche au but. Et ouais. Ah, on pose Septimus. Il y a une quête des drailles aussi, normalement, à te donner. Ouais, de souvenirs, oui. Sacrée construction de Dreamer qui nous a fait là. En effet. Elle est un petit peu dérangée, ouais. Parle un petit peu le maître Yoda aussi. Par énigme à l'envers. Carte mise à jour, lexique vierge, transcrivez le lexique.
On va aller faire ça. Je sais pas, je pense que je devrais peut-être avoir le temps. C'est peut-être juste quand même. Il reste un bon quart d'heure, je crois. Parchemin des anciens. C'est là où je pense, ça risque d'être un peu long, hein, mais... qui est Alfred par là? Je vais essayer de me rapprocher au moins pour découvrir la zone. Ah mais au fait du coup je peux peut-être rentrer là dans le... C'est pour la quête que j'avais. Non, pas encore. Pas encore. Enfin, quoi que. Je sais pas si t'as assisté au premier cours là, qui te menait là, non, dans la non. première pièce. Non, j'ai pas assisté au cours donc. Donc non. Faut que tu y assistes, comme ça il te dit que vous devez visiter justement cet endroit et après seulement tu peux y aller. C'est plus par là, faut que je remonte. Allez, je me fais attaquer par des hors-la-loi. Il y a longtemps. Dégagé. Hop. Ça doit être par là. Smilodon des neiges. Boum. Hop. Coup de masse dans la bouche. Tour en ruine d'Affrante. Ça doit être par là pour entrer, je suis pas sûr. Si la flèche ne m'indiquait pas par là. Peut-être. Après, il y a plusieurs entrées généralement dans ces trucs, donc. A priori, c'est pas par là qu'il voulait que je rentre, mais. Ouvrir. Ah, un bouton activé. Bon, c'est fini les femmes, je peux passer. On se dans le tas sinon. Tu vois, t'as rien senti. Pff, quasiment rien. Je suis même pas sûr que ce soit par là qu'il faut que j'aille en plus. Hein. Bon, ça ressemble. Non, c'est du fer, mais on va le ramasser quand même, lingot d'argent. Regarde la carte sinon, Pierre, s'il y a un autre chemin accessible, c'est droit de voir. Oui.
Une commode. Qu'y a-t-il dans la commode? Ah, coffre expert. C'est pour moi ça. Hop, direct, boum, cash. Une couronne, des pièces d'or, une potion de soin. Ok, en fait c'était juste une tour, ça j'ai l'impression. Ah, mais ça m'a permis, quand même d'aller un peu plus haut. Ouais, non, il veut que je redescende par là. Il veut que je redescende par où je suis rentré là, par cette tour. Bon, on va redescendre. Pas de soucis, petit Chuck. Qu'est-ce qu'il nous a raconté de beau, le père Bob, sur sa libre antenne, là, le retour? Fais-moi un bref résumé, parce que du coup, j'ai pas regardé. Est-ce qu'il y avait des choses intéressantes? Sur tout ça. On va se barrer, on va ressortir, parce que c'est pas du tout par là qu'il fallait rentrer, a priori. Il va finir par trouver. Je crois que j'ai pas pris le bon chemin. Ok, j'ai eu la découverte, mais je sais pas comment. C'est quoi ? On va gruger. Pouf, je vais me TP rapide. Il va me TP juste devant la porte, à mon avis. Voilà. Tant mieux. C'est gagné. La sortie de l'auberge, sinon. Voilà, lui, il a pris froid, je crois. Oh, lui aussi. Oh, un coffre adepte. J'ai eu du mal. Une couronne, un diamant, gemme spirituelle, de l'or, pierre de lune raffinée. C'est à moi tout ça. Après une bête planche, il n'arrivait pas à passer dessus, j'ai oublié de faire le tour quoi. Mais je peux pas ouvrir là. Comment je rentre dans cette saloperie moi? Je peux pas rentrer là, ça doit être une sortie. Ah,
Et d'autres trucs par là. Il y a un passage entre bas, là, regarde. Mais... Il y a un autre passage là-bas. Il y a d'autres entrées. Ok, l'entrée ici, c'est celle que c'est que j'ai. Je venais. D'accord. Passage là, je pense que du coup. Ok. Je crois avoir vu où rentrer. Oui, c'est par là. Qui sera arrivé pour la fin du stream? Ouais. Ouais, Dijok, ouais, le... c'est ce que j'avais compris aussi, ce qu'il avait marqué, c'est que notre cher Bob, bah, tout simplement pour le projet avec avec Lesh, Twix, Hogar et donc Zerator, il devait bouger de Marseille. Et que d'un point de vue familial, c'était tout simplement pas possible. C'est pour ça qu'il est revenu sur sa décision et qu'il est revenu chez Millennium. C'est si grand que ça ce truc, je peux, si je pousse je vais le faire ou... Franchement ouais, c'est super grand quoi, dans les étages inférieurs, c'est Draymore donc... Bon, je vais avancer un maximum enfin, tu encore. Tu peux pousser, hein, vas-y, hein, t'inquiète. Ah, c'est si tu. Mais tu vas voir, c'est grand quoi. Bon. Là, c'est fermé. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Ou alors non, il y a un autre passage. C'est bon, Lydia a réussi comme une grande à le tuer. En même temps, là, les Dreamers, je les OS quoi. C'est pas par là. C'est quoi? Je sens que je vais mettre clairvoyance. Direct. Évidemment, il t'aurait bien aidé ce soir. Ce soir. Bah, c'est-à-dire que je l'utilisais pas avant. Et ce qui est. Ce qui est une faute, hein. Il est bien pratique. Bien sûr. Jdar, c'est qui ça Jdar? Oh allez, Jdar, il est mouru direct. Oh, des potions de soins, c'est gentil.
Oh, y a un truc là, faut monter sur les pistons là, la con. Non, non, c'est juste pour le décor. Ok. J'ai peur qu'il y ait des... Ils se sont pas amusés à faire un truc de plateforme, hein, parce qu'il y a rien, t'inquiète pas. Ah ouais, non, parce que justement, les sauts sont tellement mal faits... Enfin... Ils sont pas... Ils n'ont pas été si sadiques, hein. Hop, novice. Bon, en fait, c'était juste un coffre. Bon, ça va. Avec la clé... Putain, avec toujours 3 pièces d'or. Et attends, il y a un autre coffre à côté. On a le coup de venir, dis donc. Ah, c'est un petit peu mieux. Bon, la hache, on s'en fout. Ouais, 5 pièces d'or, c'est cool. Il a dû me déséquiper. Ok, il y avait une porte là, j'avais même pas vu, je crois que c'était le décor. Donc je vais tracer pour être tranquille. Je crois que j'ai perdu Lydia au passage. Ça va, j'avance assez vite. Ça va, tu rushes. Je rushe. J'aimerais au moins finir ce truc là, et puis après on arrêtera là. Ça sent le piège. Bon, je l'ai pas activé, tant mieux. Allez, une petite araignée là, on va la tuer. Pas qu'elle m'embête. C'est haut. Ok, faut sauter. Continue à descendre. Oh, des Falmer.
Ça faisait longtemps, ça vous avait tellement manqué. Ah ouais, surtout que la première fois que je les ai rencontrés, ils m'ont fait très mal. Et j'étais pas du tout équipé pour. T'es en train de piquer une crise, mon pauvre. Ah ouais. Waouh. Qui c'est qui m'électrocute comme ça? Ah mais c'est Lydia. C'est Lydia qui l'a. En fait, elle me suit. Retrouver son chemin. Ouais, en fait, elle me suit toujours. Là, elle est encore du Falmer. Ah, j'ai été empoisonné. Allez, crève. Alors, j'ai vu des potions là-bas. Ah non, c'est juste des compos. Bon, je vais les ramasser. Ça m'a pris 2 secondes. Encore un Falmer là. Je trace, hein. Je ramasse pas toutes les saloperies. Je pourrais. C'est vraiment du rush là. Ok, là j'ai pris cher. Quand même. Allez. On va se soigner un petit peu parce que là je prends les dégâts. Ils font toujours aussi mal. Ouais, pourtant je suis quand même bien équipé. Là c'est dur d'être équipé mieux que ça à l'heure actuelle. Là après être équipé en Dédra, je suis même pas sûr d'avoir les compos pour à l'heure actuelle. C'est des cœurs de Dédra et de l'ébonite pour le faire donc. J'en ai pas des masses encore, hein. Des cœurs de Dédra, c'est une par pièce. Une par pièce, je suis même pas sûr que je pourrais faire un stuff complet. Bah ça se chope rapidement hein, maintenant. Tu vas à l'hôtel là, qui était pas loin de Moto Bétoile, au pire tu vas en voler un dans la case bas de compagnon, c'est bon, c'est ce qu'il faut. Oui. Ah.
fait, c'est celui-là tout à l'heure qui m'a fait mal. C'est le Falmer qui faisait des éclairs. Ok, faut que je passe par là. Mais... comment on ouvre les grilles? Sûrement là-haut, j'ai aperçu une manette. Je me suis dépêché parce que j'avais l'impression que c'était encore un truc à timer. Oula, il est gros lui. Pas tant que ça, c'était juste un centurion. Ah, clé de l'élévateur. Par contre, je pense que... ouh, flèche de verre de l'Est qui font 19 de dégâts. Sympa. J'ai bien fait de les ramasser. Et je les reprends parce que dans l'autre à côté, il y en avait aussi. Allez, moi, je cherche pas. Je tue les deux. Si je vais prendre le bouclier, parce que je pense que je l'ai pas cet enchantement-là. Stuff impérial, on s'en fiche. Utiliser mécanisme. Ok, l'escalier, on descend. Eh, nous voilà déjà à Griffe Noire. Et bonsoir à Ipinel Pilpant. Désolé pour la prononciation, mais ton pseudo est légèrement complexe. Légèrement. Je sens que je vais me rééquiper de clairvoyance. Ok, faut que je recharge mon arme. Déjà déchargé quand même. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fou, moi. J'ai lâché mon arme. Ça va, tu peux les ramasser. Ouais. Elles sont pas perdues. En même temps, le T et le R sont juste à côté. Bien. Je pense que je vais avoir le droit à encore un centurion là. Wow! Ouf! Ce qui m'a mis! Rigole pas! Là, je crois que j'aurai encore moins de points de vie. Heureusement que t'as de bons réflexes. Ouais,
Mais c'est... Wow. Ah, des flèches d'ébonite aussi, ça existe. On va ramasser, hein. J'ai un spirituel, un métis... Tu m'étonnes que t'aies pris si cher. Je vais réutiliser un petit peu de potion parce que là... Ok, il y en a un là-bas. Bon. Oh, le finish move avec la flèche dans la gorge. Classe. Franchement, la classe. Alors. Petit sort, montre-nous la route à prendre. Toujours par là. La zone est vachement grande quand même là. Elle est gigantesque. Plusieurs quêtes à faire en plus là-dedans. Il faudrait que tu y retournes d'ailleurs pour les tomes Midra. Bon alors on va juste faire la quête principale. On verra pour la quête des draps pour revenir. C'est par là, sûrement à la tour qui est ici. Ouais. Alors, il veut que je fasse le tour. Ok, j'ai ramassé une plante qui m'a lancé une quête. Ouais, t'en as une trentaine je crois à ramasser pour faire cette quête. Oh. Et que dans cette zone, que du bonheur. Bientôt à la fin ou je suis vraiment encore loin là. T'es plus trop loin normalement. Waouh, cette sphère. Il m'indique la sphère, le truc.
Je vais monter vite fait. Tu peux interagir au centre ou au-dessus là? Ah, au-dessus j'ai des boutons. Il y a 4 boutons. Et il n'y en a aucun qui répond. Activer le réceptacle. Ah, activer le réceptacle du lexique. Ok. Il fallait d'abord que je place le lexique. Sur les boutons un petit peu au hasard. Tu finis par y arriver. Ah ah ah. Ah, j'ai un autre bouton qui s'est activé. Ok, il faut que j'aille chercher le truc là-bas maintenant. Parchemin des anciens. Yeah. Un pec. Et maintenant. Terminé, savoir de l'ancien. Ok, maintenant. Le trépas d'Alduin. Bien tracé quand même, on n'a pas vraiment fait attention à tout ce qu'il y avait à côté, mais bon, c'est pas grave, je vais pas être trop intéressant. Bon, si en plus tu me dis qu'il faudra que je retourne dans la zone. Ouais. C'est pour pas le bouquin bien grave. Des draps, donc c'est pas bien grave du coup. Ça me disait, je crois, de lire le bouquin Parchemin des anciens. Oula. Tu me dis en haut de la montagne des Grisbard, je crois, non, un truc du genre. C'est possible, j'ai pas bien lu ce que ça s'est chargé juste à ce moment-là. Lisez le parchemin des anciens à la fracture du temps. Ouais, c'est ça. Transcrire le lexique. Le truc de. Septimus là. C'était où? Ah mais c'était dedans aussi, je l'ai pas fait. Tu l'as sur toi le lexique là, Fox? Qui donc te parle? Bah je sais pas. Ou je l'ai laissé dedans? Je peux pas retourner sinon il te fait. Ouais. Tant qu'à faire vu que t'es à côté. C'est où le... Ouais non, du coup il me garde celle-là d'activer, je vais la désactiver. Oh, je la vois pas. Là. Euh,
Parchemin, ce n'est pas tant que le parchemin, mais il souhaite que je dise là-bas une machine pour en inscrire le contenu dans un lexique de Hemmer avant de lui rapporter. Là, je comprends pas parce que je l'ai fait, ça c'était le truc. Ok, ça y est, non, je l'avais oublié de le récupérer, le truc. C'est bon. Ok, je ressors par le même endroit que j'étais sorti, mais nouvelle découverte. Mais bien sûr. On va aller lui rendre vite fait là son lexique à l'autre fou. Et on s'arrêterait là pour ce soir. C'est déjà pas mal. On a bien avancé là quand même. Il reste un peu grand chose à la quête principale. Mais t'es beaucoup trop vite. Il y a encore de quoi faire avec la quête annexe. Hein. Oui, ça, je ne m'inquiète pas. La place manquait pour la construction du niveau supérieur. Donnez-le-moi, vite. Extraordinaire, je le vois. L'infime fractale enclenche sa fermeture. Le centre primaire dessert les crochets, mais l'extinction de cette race rend sa quête impossible. En rassemblant le sang de leur père, on pourrait constituer un vaccin. Ah, c'est la quête où il faut récupérer les sangs de différentes créatures, c'est ça? C'est ça. Non, même pas le... Mais ça se fait assez rapidement, oui, ça tu vas rencontrer celui. Cet extracteur, il absorbera le sang frais des elfes. Revenez lorsqu'il sera bien. Bon, voilà. Du coup, ce que je vais faire. Oula! Abyss maudit, c'est quoi ça? Pourquoi je peux pas ressortir? Ah, faut que tu parles au Dédra. Faut juste lui parler, c'est le Dédra, tout simplement. Les Dédra, c'est vraiment des pourritures en fait. Ah, ça. À part un ou deux qui sont pas trop fines. Tous leurs serviteurs, bon, ben, ils me servent plus à rien, t'es mieux qu'eux en fait, donc tu pourras les tuer s'il te plaît pour moi. En gros, c'est ça quoi, à chaque fois. Ce que je fais, je vais me TP à Blancherive. Pour retourner dans ma maison. Oh, le bâton là qu'on voit comme ça, je l'ai, c'est un bâton je crois unique. Je sais plus c'est quoi qui fait comme truc. C'est pas celui que t'as eu à la beuverie entre nous. Ouais, c'est ça je crois. Bonsoir Romix 13.
tu arrives à la fin, malheureusement. Et voilà, de retour au coin du feu pour un repos toute la semaine, bien mérité. Bah, je ferai le vide hein, et tout, le rangement, comme à chaque fois. Et donc on se retrouve dimanche prochain pour la suite. Et ouais. En vous remerciant. Bonne soirée tout le monde et à très bientôt. Bye bye, merci Yoniel. Ciao.